synchroniserai là et ça serai en équilibre. Action. Je te montre. C'est facile. Non, moi, tu fais le truc. Tu vois comment ça marche. Tu fais le clic et il s'allume. Ouais. Donc si tu veux, comme d'habitude, tu connais le repère. Dès que tu arrives là, donc tu prépares ton machin, hop, et tu mets ton truc. Tu t'approches, on coupe, on va le maquiller et on revient. Donc, ouais, la gâchette. C'est bon. On fait œil droit ou gauche? Le gauche. Parce que regarde, de l'autre côté, il y a du sang partout là, tu vois. Celui-là, t'en as un peu moins que là-dessus. Là-dessus, bah, il est vraiment bien défoncé. Tu vas autant le faire là. Alors, voilà. Alors, ok. Donc, l'œil, ça veut dire l'œil droit pour lui. Oui, pour lui. C'est gauche, cohérent, pour parce gauche pour nous. Exactement. Il tient la place de la main droite. Alors, ok. De toute façon, dès que tu arrives en face de lui, je découpais et on monte maquillé. Je pense que pour les scotchs, on n'est pas obligé de te scotcher à chaque fois. Là, c'est bah, il a pas juste, obligé. Ouais, tant que tu n'oublies pas, c'est bon. Ouais, on rajoutera un peu de sang après pour la main. Rajouter un peu de sang sur le truc, c'est bon. Action! Non. Ouais. C'est bon. Faut crier un peu au direct. Non, des fois c'est juste ça. C'est... Ouais. Non. T'as pas le temps de dire autre chose. Tu philosophes pas trop. Non, c'est top. Même des trucs moins trucs, moins, beaucoup moins violents comme ça. Juste une personne qui vient vers toi, que tu t'attends des fois. Tu dis attends, celui-là lui vient vers moi, c'est bon, je lui dis quelque chose. Moi ça m'est arrivé. Hein. Ouais. Gars, il arrive, il te balance une phrase. J'ai déjà vécu ça moi aussi. C'est bizarre quand t'as pas de phrase, t'essaies d'exagérer un peu le body language pour. Quand il y a que du texte, je suis pas visuel. Ouais. Ouais, ça le fait. Hein. Ouais. Dès qu'il y a des images, elle reste quoi. Mm-hmm. Ah, c'est fou. Enfin, c'est vrai que ça fait chier. Ah. C'est plus mal au point de contrôle au final. Mais c'est vrai qu'en général, je pousse certaines personnes à lire les livres que j'aurais qui m'intéressent. Ouais. Bah ça, c'est comme ça. Bouge un peu aussi. Oui. C'est vrai que c'est vrai. Ah, bah, non, ça me fait les frissons, moi. Sans ça, bien. Mec, je crois pas. Espèce de nord, va. Bah, il en faut, hein. Je dois de nouveau me rattacher, quoi. Il faut le camp, ici. Bah, que les gens... Ah oui, merde. Le budget, il faut le camp, là. C'est... Là, j'ai qu'un bras. Un œil. Là, on s'assied plus. On évite de s'asseoir ici pour ne pas bouger le plan. Le plan de la caméra. Ouais, j'ai bien fait de prendre ma veste. On laisse comme ça. J'avais oublié qu'on me foutait un poil. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, maintenant vous êtes deux. Il sert à quelque chose maintenant. T'as juste à appuyer un peu. Donc, cette fois, vu que le clou il est dans l'œil. Maintenant on vient l'enlever le clou. Mais non. C'est con qu'on le brûle. Ah oui, ouais. On aurait brûlé le t-shirt là. Il avait ça va venir après. Eh ma toison, elle est d'or dessous, attention. Oui. Mais 100% d'origine. On laissera tes trois poils. On verra, on va cramer le t-shirt, pas tout de suite, on verra après. Okay. Sinon, on le fait pas. Parce que déjà, avec le froid, et en plus, comme il va se lever, ça risque de décoller les trucs. Tu vois, avec la lumière, t'as presque raison. On dirait presque l'orbite. Ouais. Non, justement, c'est... Ouais.
On fait comme ça, donc on repart. Tac, tu poses, tu sors, non, ou alors tu pars avec. Tu sors une goutte qui dérange. Parce que là, vu que je suis en train de filmer de là et de là, Frédéric, il rentre en action. Donc, il sort, tu fais quoi? Tu prends quelque chose et tu viens. Ouais, je prends pas. C'est mon scout qui me gratte. C'est horrible. Là en bas, je sais pas où. Quand on va là, le... si là, elle est là. Non, non, c'est dans le goût. Ouais, ah là, ah. Ah non, trop haut. Là. Non, ah, ah. Ah là, là. Ah, où ça, là. Je suis en train de mettre le sang. C'est bon, ça fait... Ça atténue. Je t'ai tout étalé. Ouais. Ça gratte trop. C'est le moussin. Ah, la goutte qui coule, c'est... Hein? Donc toi, tu finis, tu ressors. Eh oui, c'est que là, on a sali les trucs. Donc moi, j'ai ça en main parce que je viens de lui planter le clou dans l'œil. Il cherche quoi après? Là, il ressort avec ça et il cherche quoi? Je sais pas ce qu'on peut lui rajouter. Le gros couteau, là. Moi, je pense qu'on prend le grand meilleur parce qu'il faut pas bien qu'il faut lui couper les... Le bras. Quelque chose qui soit assez grand. Ouais, on va direct à ça. Bah, je pense, ouais. Ouais, je pense que le tien, il est pas mal. On peut aller après, ouais. Là, on va pas tourner 15 fois, là. Là, le bras. Attends, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est pas mal, ça. Tu vas lui entailler tout le bras en entier, tu vois. Je pense que celui-là, il est bien. Ah oui, il y a le bras. J'avais oublié le bras. C'est chirurgical. Ouais. Donc, on fera la même scène deux fois. Moi, je pense c'est le bras. Et puis après, le coup du le linge. Et voilà. C'est quand donc, elle descend. Donc, la première scène, c'est toi qui rentres. Et après on refait, c'est Frédéric qui rentre avec l'épée, comme ça avant de la salir. Et on finit, c'est quand toi tu repars, une fois qu'il est maquillé, pour montrer le bras... Oui, on fait comme ça. Ouais. Tu reviens avec la machette. Donc là je sors avec le chalumeau et la force. Voilà, tu poses, tu reviens avec la machette. Ah oui. Avec la machette je reviens. Ouais. Tac, t'arrives. Paf, tu ressors, tu donnes la machette à Frédéric, il revient faire la même chose. Donc j'arrive avec la machette sans rien faire. Je pense que c'est plus simple que moi je vienne avec la machette. Ah après, ouais. Comme ça, lui ouais. Il rentre avec la machette et puis il entaille le bras. Bah, sinon, s'il lui rentre, après... Ouais, mais de toute façon, moi, dès qu'il est de dos et que lui, on le voit plus, moi, je coupe et je reprends au moment où il est de dos, il repart pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Juste la scène du couteau dans la main qu'on va garder telle qu'elle. Les autres, dès qu'il est de dos, on le voit pas, je coupe. Et je reprends de dos, il part, on voit le résultat. Comme ça, ça, on fera pas... Donc c'est pareil, soit tu rentres, tu ressors, il revient. Parce que toi, tu seras de face. C'est juste dans les flashbacks dans le 3 qu'on sache que c'est toi qui es venu. Et lui, il continue avec la machette. On fait comme ça. Hop, tu remets la bon, machette là-bas. Donc je reviens avec la machette et je m'arrête devant lui et coupe. Tu peux faire déjà? Non. C'est bon. On va te traiter mieux. Ouais, juste c'est pas attention. Ouais, on la voit. Ouais, tu t'arrêtes. Puis là, on... Voilà. Oh putain. J'adore. Rajoute peut-être juste un peu sur la main que ça refasse fraîche. Ah oui, la main. Parce qu'elle est plus très fraîche. Voilà, c'est bien. Il faut que tu rajoutes sur main. Bah, j'ai fait une faciale, je croyais pas que c'était ça le genre de film, hein. Mais bon. Ça fait un kiff. J'ai toujours aimé faire ça, putain. T'as toujours l'envie, hein. C'est reparti. Hop. Action. Ah non, on recommence. Mélanie, on voit ta veste quand tu pars. Bah, faut que j'émisse un peu quoi. Je... Action. Ah.
Coupé. Là, c'est bon. Donc là, c'est la machette. On va aller maquiller le bras. Honnêtement. Alors avec cette tête là, non, on peut vivre. Ouais, voilà comment on fait le trucage. C'est quoi, c'est du PQ? Ouais. Ouais, simplement du PQ. Et ouais, ouais Mania, ça va pour le, se faire non, le zombie. C'est donc... Mais c'est pas neuf. Ouais. On profite pas trop quand même. Si ça peut. Là, puis je dis toujours les victimes qu'on le bourre. Voilà, c'est ouais, c'est bien ça. Même, c'est différent quand tu le regardes comme ça en vrai ou que tu regardes à travers une caméra. Ça te donne pas la même sensation, ouais. Hein? Non. Tu vois, là, tu crois que c'est vrai. Alors, quand tu regardes comme ça, t'es en train d'arracher des bouts de peau. Non, je crois que l'année prochaine, si t'es là à Halloween, je me paierais bien un maquillage comme ça. Bon, bah maintenant il reste que le sang à foutre dessus. Voilà, on rajoutera juste un peu de sang par-dessus ouais, voilà. Une fois qu'il est posé. Et on est bon. Partout et puis ouais. Ah non, à l'image, ça donne, vraiment, franchement, oui. Au final, t-shirt cramé, on. Non. Vu quand il doit monter, comme elle va mettre des trucs pour que ça colle, ça risque. Non. Écoute, on peut pas faire en bas direct vite fait avec le chalumeau. Il tire comme ça, pff, deux, trois petits trucs. Vite feu, hein. Chalumeau, ouais, c'est bon. Il faut quand même faire attention. Et puis la séance gratuite. Il les a comptés, hein, les poils. Et puis la séance gratuite. Ah, c'est bon. J'aime l'odeur des eaux brûlées. Ouais. Ok. Ah bah il est parti. C'est vrai que t'entends pour pas arracher les ongles. Non, c'est jamais. De quoi? On lui arrache plus les ongles? Non, t'en fais pas. Ah, dommage. Il n'a pas trouvé les faux ongles. Ah oui, les faux ongles. Ah oui, on a oublié ça. Ouais, je peux retrouver les miens non plus. Moi, je peux plus trop rattacher, hein, s'il y a besoin de rattacher. Ah, si. Parce qu'avec là, si je bouge, toi. À la dernière minute, tu poses la main en scotch parce qu'elle va rajouter le sang qui coule. On remet un peu du sang frais. Donc, là aussi, tu reposes la machette. On va mettre. Allez ! Il faut plus bouger alors. Hein. Attends, je vérifie le cadre. Pour l'instant, vu que là, c'est. Attends. Normalement, il n'a pas bougé. Voilà. Non, c'est que. Parce que pour, à toute façon, quand Valérie va revenir, il faut que j'ai un plan vide. Pour que je puisse remplacer l'image après. Ça, c'est hein hein voilà. C'est pas chaud, hein. Ah non, mais je me suis violé, hein. Là-dessus. Ok. Donc, on ne touche plus, il n'y a rien qui bouge. Donc, juste tu repars de dos, tu poses la machette. On mettra le sang dessus après, vu qu'on ne le voit pas. Ah, donc là, je suis nouveau de retour avec ta machette. Oui, là, c'est le plan final, parce que tu es venu avec la machette, donc là, tu la poses, non. Tu repasses, comme ça, on voit le... Sur le dernier plan, là, je suis reparti avec la machette. Et après, oui, ouais, parce que là, ben, j'ai tout filmé, mais là, on recoupe, parce qu'il était encore en bon état. Là, il faut que je fasse où je la pose. Oui,
Exactement. Là tu es revenu avec parce qu'il devait revenir avec. Là donc tu poses, tu repars et là on voit le résultat. Donc je pose la machette là et je pars. Okay. Je pense après ce qu'on va refaire, c'est la dernière, qu'est-ce qu'on a comme pince. Quand tu vas revenir, tu vas revenir à ça et tu lui dis maintenant on va passer aux choses sérieuses. Tac. Ah, y a pas de souci. Il paf dans la cuisse. Ouais. Non, 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 là tu te mets en face, c'est comme si tu avais baissé le pantalon. Et le prochain truc, on pose le chiffon. Et là, elle a marre de sang par-dessus. Vu que le sang, on le voit pas. Trop vite. Trop de pression, trop rapide. Voilà. Ouais, tranquille. Et on remet un peu de sang pour la main. Le sang, il est froid. Hein. Il faut non, que je vous dis, parce que moi, je. T'es du boulot carré. Hein. Quand t'es prêt, je lui en mets. Comme ça. On est bon ? Attends, avec Frédéric, on refait une scène ou. C'est juste la machette. Ça fera juste dans le flashback, une scène suffit, vu qu'on a déjà vu, sinon ça fait redite. Donc. Tu poses la machette, on mettra le sang dessus après, tu viens, tu prends ça. C'est parti, pas prêt. Tu prends le truc. Dès que tu rentres, tu fais comme ça, tu le fais maintenant, on va passer aux choses. Bien sûr, toi essaye d'avoir l'air un peu. Plus abattu encore. Parce que là, avec tout le sang que t'as perdu, tous les trucs, ouais. Tu peux grommeler, mais je pense que t'es à plat. T'es à plat. Attends, trembler, ça va, hein, c'est le choc. Eh, justement, ça va. Exactement, il est en état de choc. L'été. Pas trop dans les cheveux. Oh. Baisse la tête. Tu veux un pot américain? Il y en a deux. Eh, on dirait le Lionel Messi, là, c'est dingue. Donc on est d'accord, là, je suis comme ça. Oui. Je pose le couteau, je ressors. Ou tu le plantes sur le machin, on rajoutera le son après. Et je reviens avec ça, je m'arrête là. On va passer aux choses. Non, un peu plus loin, recule un peu, parce que... Non, pas en arrière. Sinon, essaye de prendre avec la main droite, même si t'es blessé. Voilà, qu'on puisse voir que t'es... Voilà. Fais le geste, tu soulèves un peu, enlève le bras, comme ça. Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et tu te mets à côté, comme si t'allais lui baisser le pantalon.